Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je sais que cette vidéo aurait dû arriver plus tôt, mais comme prévu du coup elle sera décalée vu que j'avais dit sur Instagram plus d'une fois qu'elle était décalée. J'avais dit deux fois qu'elle était décalée, du coup soit le mercredi suivant ou soit le week-end. Du coup elle sort à peu près entre le week-end et le mercredi qui était indiqué. Du coup suivez mon Instagram, comme ça vous aurez la date quand la vidéo sort et sur Instagram davantage. Du coup on va commencer. Alors pour cette vidéo là, alors c'est une vidéo particulière car aujourd'hui on va fêter les 1 an. Alors je sais que c'est un peu tard de fêter les 1 an alors que ça fait déjà un petit moment que j'avais dit qu'on devait le fêter le jour même. Sauf que j'ai eu un petit problème par rapport à la vidéo et aussi par rapport à ma vie personnelle, ma vie privée. Du coup cette vidéo est une vidéo préenregistrée, c'est à dire que ce que j'enregistre à ce moment là bah ça sera pour la première diffusion de cette vidéo. Du coup en gros, alors pour cette vidéo là je vais vous expliquer ce qui va se passer. C'est que normalement ce que j'ai prévu c'est que je mette tous mes briefings les uns après les autres, sans générique, sans rien. Comme ça vous voyez tous mes briefings au fur et à mesure, tout ce qui a été fait pendant le cours de l'année 2018 depuis que j'ai créé ma chaîne. Du coup voilà. Du coup j'ai enlevé les génériques, tout ce qui est par rapport à la fin comme le à suivre, par rapport aux épisodes comme l'œil des Cole vs les serpents épisode 1, 2, 3. J'ai enlevé les génériques de début et les à suivre à la fin. Donc bref, avant que la vidéo ne commence, je vous conseille de mettre des écouteurs. Parce qu'au cas où si vous voulez l'écouter sans écouteurs, bah, je vous conseille de mettre des écouteurs, par exemple un casque ou des écouteurs pour écouter et avoir les effets qui soient agréables à entendre et que ça soit, par exemple, s'il y a du bruit à côté de vous, bah, que vous ne soyez pas dérangé pendant l'écoute. Donc voilà, j'ai tout dit. Avant le visionnage, il y aura peut-être des pubs que je mettrai. Par exemple, je mettrai peut-être des pubs, du coup voilà. Donc bon visionnage, à tout de suite. Thank you.
Après les événements de la saison 7, les mains du temps sont de retour à Ninjago. Enfin de retour à Ninjago, mon frère. Oui, mon frère, nous voilà enfin de retour à Ninjago. Nous voilà enfin à notre ancienne demeure, mon frère. Rentrons à l'intérieur. Il y avait longtemps que nous n'avions pas été rassemblés ici. Qu'est-ce que c'était? Allons voir. Mais c'est impossible! Comment ont-ils fait pour revenir à Ninjago? Rectum Calator. Ah! Ce n'était qu'un cauchemar. Crux, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te raconterai ça demain. D'accord, bonne nuit. Donc, comme vous avez pu le voir, il y aura une suite pour Les Mains du Temps, le retour. Du coup, le retour des Mains du Temps, il y aura une suite. Alors, du coup, je vais laisser à peu près 1 minute 30, 2 minutes pour mettre vos théories sur ce qui va se passer dans la suite. Du coup, c'est parti. Donc voilà, merci d'être venu à cette première diffusion pour les 1 an de ma chaîne. Du coup, si vous avez aimé la première diffusion, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si le contenu de ma chaîne vous plaît. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire si la première diffusion de cette première diffusion vous a plu. Et moi je vous dis, c'était Lego Speed. À la prochaine!